Elle, c'est Ombrelle, peut-être l'une des futures stars de la race charolaise. Elle est âgée de 10 mois, c'est un jeune veau femelle. 458 kilos et elle a terminé première sur 40 de sa catégorie. Un prix d'honneur dans ce grand rendez-vous de Combeaufontaine, une fierté et des débouchés pour Eric, l'éleveur, qui a fait une bonne heure de route depuis la Haute-Marne pour présenter ses animaux au concours. Le but, enfin, quand on élève du charolais et qu'on est éleveur de charolais, c'est de faire des animaux pour l'élevage. Hein. Donc déjà la rémunération est plus importante quand on vend des animaux pour l'élevage. Et en plus, c'est une satisfaction personnelle parce qu'on sait que les animaux vont repartir dans des fermes où ils sont bien traités et qui feront des belles progénitures. Plus de 80 bêtes venues du Grand Est de la France. Aurélien lui est venu avec une dizaine d'animaux. Au top pour les concours, la race charolaise, c'est son truc. Et c'est dans des rendez-vous comme celui de Combeaufontaine que se préparent les grands concours du Salon de l'Agriculture. On arrive comme ça, aller à Paris, comme j'ai fait moi, grâce à mon père, aller travailler la génétique et puis arriver dans les petits concours, commencer tout doucement, puis progresser d'année en année. C'est ça le but. La race charolaise est une race dite à viande. Alors dans les allées de la fête, on parle de tout. Sans tabou, de la sécheresse qui a fait beaucoup de mal dans les exploitations et surtout des différents mouvements de contestation de certains, des prises de position anti-viande. Nos animaux sont là pour présenter nos élevages, mais également la finalité, c'est de manger du beefsteak. Donc on le fait dans les meilleures positions possibles et si possible, arrêtons de nous attaquer sur un métier qu'on a toujours fait, qu'on aime et on aime nos bêtes. Prochain grand rendez-vous des stars charolaises à la Sainte-Catherine de Vesoul le 25 novembre prochain.